Bonjour à tous. Alors, je vous reprends pour une partie d'épée. J'avais reçu cette toile en partenariat avec le site A Diamond Painting. Donc, il m'avait envoyé trois toiles. Et j'ai décidé de commencer par celle-ci. Donc, j'ai commencé un tout petit peu. J'avais filmé, mais j'ai plus la vidéo. Je l'avais effacée, il me semble, parce que on entendait beaucoup ma fille, qui était assez grognon. Donc là, je me suis dit, je vais les prendre tant qu'elle n'est pas là. Pour continuer un petit peu avec vous. Donc, je vais mettre ça dessus. Et on va faire la lettre K, qui est le numéro 16. Donc, ils sont tous en sachet zippé, qui était dans l'ordre, mais ma fille m'a renversé la boîte, donc j'ai remis n'importe comment. Alors, le 16, on a dit. Le 16, bien évidemment, il est au fond. Ouais, c'est bien ça. Donc, la référence 16, c'est la référence 3024. Donc, c'est des diamants ronds. Et. Donc oui, là c'est la plus petite toile des trois qu'ils m'ont envoyée. Et ben, vu que j'ai déjà posé quelques diamants, je peux vous dire que la toile colle très bien. Et les diamants, je n'ai pas eu de soucis pour le moment. Donc on va voir au fur et à mesure. Si tout va bien ou pas. Mais donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va. Un petit peu fatigué, mais bon. Rien de grave. Donc là, j'en profite justement que la petite soit avec papa en promenade pour vous prendre au calme parce que sinon je suis interrompue toutes les 30 secondes. Donc c'est pas évident de filmer quand c'est comme ça. Alors, j'ai pas fait de carré ou quoi que ce soit, je fais vu que c'est un petit une petite toile, je fais comme ça vient. Et je disais donc dans la vidéo que j'avais filmée que j'avais peur du rendu de celui-ci parce qu'il y a quand même des écritures et que, à part le home, je sais pas si on va voir grand-chose. Parce que c'est un 30 par 30. Donc, je me suis dit, on verra bien à la fin, mais j'ai peur que ça soit un petit peu trop petit pour ce que c'est. Ce sera la surprise, on verra. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai remis de la colle, mais elle n'a pas l'air de bien accrocher les diamants. Parce que là, je viens de finir en fait un DP perso, une photo. Et je viens de remettre de la colle, donc je comprends pas pourquoi ça colle pas.
Tout comme moi, la colle, je la mets dans un petit récipient comme ça, là, qui se ferme. Donc, je comprends pas trop. Après, il y en a beaucoup qui sont à la pâte à fixe, j'ai vu. Mais bon, moi, j'ai dit, j'utilise déjà la colle et après, on verra. Enfin, la cire. Et après, je verrai. J'ai de la pâte à fixe à la maison, mais... Je vais pas jeter les colles, donc déjà j'ai vendu en fait tous les kits et les colles et les stylets, enfin tout ce qu'on reçoit avec les toiles en fait. Vu que j'avais un gros stock, je l'ai mis à tout petit prix et c'est parti. Après, c'est vrai qu'il y en a qui achètent que la colle sur AliExpress ou quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, dans tous les cas, tu les payes les kits quand tu payes la toile. Faut pas croire, c'est pas gratuit, hein. Ils mettent le prix dedans et c'est tout. Donc je me suis dit, t'as qu'à les revendre à tout petit prix, ça partira et au moins ça te débarrassera parce que j'avais un tiroir plein. Donc là, au moins, je suis tranquille. Mais bon, vu que j'ai reçu deux DP après les avoir vendus, il me reste deux kits et donc de la colle. Voilà, je me suis dit je vais la garder quand même parce que j'ai quand même des toiles à faire. Puis quand j'en aurai plus, ben je ferai avec la pâte à fixe. Si ça m'a pas gonflé avant, parce que si ça colle comme ça, là, une fois sur deux, là ça va parce que c'est un petit DP, mais sur un grand DP, ça risque de vite m'énerver. Donc on verra bien. Je vous ai tourné tout à l'heure la vidéo coloriage thermique du mois de janvier. On est quand même le 11 février, donc je me suis dit bon, on va en profiter là cette fois que je suis toute seule pour pouvoir la tourner parce que sinon ils vont attendre longtemps. Comme ça, j'aurai deux vidéos à vous poster déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous n'avez pas été trop touchés par les inondations là qu'il y a eu. Parce que je sais qu'il y a des régions qui ont bien morflé les bords. Ça me fait tellement bizarre de repasser sur des ronds. Parce que là, j'ai fait une toile. La toile perso que je faisais, elle faisait. C'était une 45 par 55, je crois. Et en carré. Et j'ai eu énormément, mais énormément de noir. En fait, j'avais que. C'est une photo en fait de ma fille et mon papa pratiquement juste après qu'elle soit née. Et en fait, tout le fond c'était noir. Donc on n'avait que ma fille qui était comme ça sur le DP en fait, et mon père. Et en fait, tout le reste c'était du noir. Donc il me tardait vraiment, mais alors vraiment de le finir celui-là parce que j'en pouvais plus du noir.
Et le problème, c'est que là, je voulais me lancer dans la toile Marie des Aristochats que j'avais pris pour ma fille en 30 par 40. Donc, c'est pas un gros. Mais pareil, il y a énormément de noir. Alors, je sais pas. J'hésite à la faire en fait. À la faire tout de suite. Parce que je sors d'un DP où il y avait beaucoup de noir. Là, si je fais celui-là, je repars dans du noir, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas si je vais vraiment lui faire ça ou si je vais plutôt lui faire le Vaiana, qui est plus grand. Mais ben, il y a pratiquement pas de noir. Il y a beaucoup de bleu. Je sais pas, je vais voir. C'est vrai qu'après j'aurais bien aimé lui faire le mari parce qu'il a déjà sa place qui l'attend et que vu qu'il est assez petit, 30 par 40, ça peut se faire vite. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais regarder ça tout à l'heure. Là je me suis dit, je vais les prendre pour faire ce DP-là. Parce qu'il était rangé dans le tiroir de mon bureau et je me suis dit, mais mince. Je les ai pas pris pour ce DP. Et vu que je voulais pas l'avancer plus sans vous faire voir qu'il était commencé. Alors du coup, je l'avais mis de côté et je me suis dit le temps que tu puisses faire une vidéo, tu y touches pas. C'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai complètement oublié après. Donc voilà, là je vous ai fait voir qu'il était commencé. Donc je pense que je sais pas si je vais en faire en dehors de la caméra de celui-là. Après je pense parce que je pense aussi du coup vous faire ben, le prochain que je vais entamer. Donc soit le Vaiana, soit le mari des Aristochats. Parce que les seuls DP que je fais pas en vidéo, c'est les DP perso. Parce que ben, c'est des photos généralement. Photos de famille, donc ça je fais pas. Enfin, je fais, mais en dehors de la caméra. Mais là, étant donné que ça va être du Disney, j'ai aussi un DP pour ma cuisine à faire. Tous ces trucs-là, je peux. Alors, je pense que je vais alterner, vous faire une vidéo de celui-là et vous faire une vidéo de celui que j'aurais choisi à faire. Comme ça, il n'y aura pas qu'un DP. Parce que sinon, ça peut être redondant pour vous. Après, c'est vrai que j'aimerais bien reprendre les vidéos coloriales, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, ça va qu'il y a mon homme et qu'il a pris la petite avec lui pour aller promener, mais c'est très rare. Donc, quand je colorie, généralement, elle est à côté de moi. Enfin, et j'arrête assez souvent pour m'occuper d'elle. Donc, c'est pas évident de filmer. Le coloriage. Là, je vais arrêter le 16. On va faire le N. Alors, avec cette barquette, par contre, c'est pas trop pratique les sachets zippés. Faut pas se louper quoi parce que sinon il y a tout qui descend. On va faire le N, j'ai dit. Et le N c'est le 17. Le 17 il est là.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo séance DP vous plaira. Fait un petit moment que j'en ai pas fait là. De toute façon, ça fait un petit moment que j'ai pas publié déjà. Après, c'est vrai qu'avec un enfant, c'est plus du tout pareil. On peut pas filmer comme on veut, n'importe quand, c'est plus pareil. Alors, il y en a qui le font parce que ben, soit les enfants sont à la crèche, etc. Mais moi, vu qu'elle est avec moi, je ne l'ai pas mis encore à la crèche. Je vais pas faire une trop longue vidéo, que je puisse vous la poster quand même rapidement avec ma connexion toujours aussi super rapide. Il y en a qui mettent 10 minutes à poster, moi je mets une journée voire plus. C'est pour ça que je fais plus de vlog ni rien, parce que même un vlog de 30 minutes, ça me prend 2 jours pour le mettre, quoi. Et encore, je suis gentille s'il n'y a pas de mise à jour de la box ou quoi, parce que sinon il y a tout qui plante. Donc bon. J'aimais beaucoup faire les vlogs, mais là, c'est compliqué. Je crois que quand je vais déménager, la première chose que je vais regarder, c'est la connexion. Parce que c'est vraiment chiant. On mettra un peu de colle. Ah, on est déjà à 18 minutes quand même, pratiquement. On va faire jusqu'à 20. Encore 2 minutes et puis je vais arrêter parce que... Alors, vous n'aurez pas vu grand-chose d'avancement, mais bon. L'avancement, ben, vous le verrez... Au fur et à mesure, je vous ferai des petites vidéos, donc là, si je fais plus de 20 minutes, c'est même pas la peine. Ça a l'air de mieux coller. Alors je sais pas si je suis tombée sur un coin de colle qui était sec ou je sais pas. C'est un petit peu bizarre cette histoire. Donc voilà, je vais arrêter là. C'est pénible parce qu'on aura fait que deux références. Mais je préfère faire comme ça encore que
que rien pouvoir vous mettre du tout, quoi. Je vais vous faire voir où on a progressé. Donc, tout là. Donc on n'a pas fait grand chose, mais déjà il y a un bon petit triangle de bien entamé. Donc je vais essayer de faire un petit peu hors caméra au pire, et comme ça au moins on testera. Alors par contre là j'ai fait le 16 et 17 avec vous, donc je vais me le noter, comme ça on refera pas ces teintes là la prochaine fois que je vous prendrai, parce que sinon déjà qu'on peut faire que 2-3 références par vidéo, donc si je fais tout le temps les mêmes, ça va être vite saoulant pour vous. Donc je vais me le noter, je vais me les mettre tout en dessous, comme ça je le saurai. Je vais me les mettre tout en dessous de la boîte, comme ça je saurai que il faut pas que j'aille, pas que je vous fasse faire cela. Donc voilà, petite vidéo pas super longue, mais histoire de vous faire voir où j'en suis donc dans les DP là. Donc là je n'ai pas d'autres en cours. Je viens de finir, je vous disais, le DP perso. Donc là, je n'ai pas d'autres en cours, j'ai que celui-ci. Et là, je vais aller regarder du coup pour soit faire le mari, soit faire le Vaiana. Donc la prochaine vidéo, ne sera pas sur celui-ci, mais sera sur le DP à côté de celui-là. Donc j'aurai toujours celui-là tant qu'il sera pas fini, et soit le Vaiana, soit le mari. Donc je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse et je vous fais de gros bisous.